Dépêche-toi, tu n'as plus que 5 secondes pour liker cette vidéo, sinon tu ne recevras jamais le cadeau gratuit que Fortnite va nous offrir. Fais-le à ta place, je prendrai pas le risque. Hey, salut toi! Juste avant de commencer la vidéo les potes, je vous mets directement le premier gagnant qui a gagné le prochain pass des combats. Bien joué à toi, je te contacte très prochainement. Du coup les potes, il reste encore 9 gagnants pour essayer de gagner un pass de combat, le prochain pass de combat, gratuitement. Et du coup pour participer, rien de plus simple, déjà de 1 tu mets mon code créateur sur le jeu, il est juste devant tes yeux. Fais attention à ne pas faire de faux. De 2 tu mets un commentaire avec écrit mon code créateur, du coup Wex tiré du bas, suivi de ton pseudo Epic Games et suivi de ta plateforme. Du coup si tu joues sur PS4, PC, Xbox, etc. Tu le mets, tout ça est disponible grâce à toutes les personnes qui mettent mon code créateur. Du coup merci à toutes les personnes qui le mettent. Et en tous les cas je t'avais souhaité une bonne vidéo à tous. Salut à tous et à toutes les amis, c'est Wake, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les potes on va se retrouver pour une vidéo très spéciale, parce qu'aujourd'hui j'ai pas mal d'informations à vous proposer comme d'habitude. Et comme d'habitude j'ai vous les doigts de vous les raconter. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'en termes d'informations on est vraiment au top du top. En tous les cas si vous êtes nouveau n'hésitez pas tous à vous abonner. Voilà, je suis une chaîne d'information Fortnite. Donc si tu ne veux rien louper, que ce soit des informations à l'avant sur le jeu et plein d'autres choses, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Surtout, on tente la barre des 200 000 abonnés avant la fin de l'été. Je compte vraiment sur vous. En plus, vous êtes plus de 60% à regarder mes vidéos mais que vous n'êtes pas abonnés. Pour toutes les personnes qui ne sont pas abonnées, sérieusement, vous allez surtout pas regretter. En même temps, je vous mets directement tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne YouTube récemment. Bienvenue à vous. Voilà, si tu veux passer dans la prochaine vidéo en tant que nouvel abonné, abonne-toi à la chaîne et peut-être que tu passeras dans la prochaine vidéo en tant que nouvel abonné. Qui sait? Et surtout les potes, qu'est-ce qu'on fait avant de commencer la vidéo? Voilà, vous le savez, j'ai plus besoin de le répéter. On met un petit pouce bleu, 1000 likes sur une vidéo et d'égal 1000 V-Bucks que je vais offrir à un abonné dans l'espace commentaire. Vous le savez maintenant. Aussi, pour toutes les personnes qui sont intéressées, tout simplement, quand le prochain pass de combat va sortir, je vais offrir 13 500 V-Bucks à un abonné pour qu'il s'achète tout le pass de combat en entier. Et pour participer, il n'y a rien de plus simple. Il suffit juste de t'abonner à une chaîne, elle est en description. C'est la chaîne YouTube de Stronger Rider. Très bientôt, il sortira une nouvelle vidéo en collaboration avec moi. Et tout simplement, ce sera les vraies conditions pour participer pour essayer de gagner 13 500 V-Bucks. Son lien est en description si vous voulez gagner tout le prochain pass de combat plus 13 500 V-Bucks. Bon, qu'est-ce qu'on va parler dans cette vidéo? On a vraiment pas mal d'informations. Déjà de 1, on va parler qu'un nouveau, plutôt une nouvelle danse va bientôt arriver dans la boutique Fortnite. Une danse Travis Scott. Oui, une nouvelle, et j'en dis pas plus, mais elle est sérieusement énorme. La deuxième chose qu'on va parler dans cette vidéo, on va parler d'un lobby du pass de combat. Le prochain lobby qui va arriver du prochain pass de combat, je vais vous le montrer parce qu'il y a peut-être fuité, j'en dis pas plus. La troisième chose les potes, on va parler que tout simplement Fortnite vont bientôt mettre une boîte mystère sur le jeu. Oui, une boîte mystère, j'en dis pas plus, mais c'est sérieusement énorme. La quatrième chose les potes, on va parler qu'un nouveau planeur enflammé va bientôt arriver sur le jeu. Et pour terminer, on parlera que tout simplement Fortnite nous ont communiqué qu'ils vont mettre pas mal mais plein de récompenses pour toutes les personnes qui n'achètent pas le prochain pass de combat. J'en dis pas plus, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'en termes d'informations, comme d'habitude, on est vraiment au top du top. On part directement pour la première chose des potes, tout simplement. Il y aurait une très grosse rumeur qui est en train de circuler en ce moment sur Reddit. Alors voilà, vous le savez, quand je vous montre une rumeur ou je vous l'explique en vidéo, c'est qu'il y a vraiment des chances que cette rumeur est vraie. Et quelle est cette rumeur? C'est que tout simplement, la prochaine fois que Travis Scott va revenir dans la boutique Fortnite, on aura tout simplement une nouvelle emote, une nouvelle danse, vous prenez ça comme vous voulez, dans la boutique Fortnite. Quelle est cette emote? Quelle est cette danse? On perd pas plus tant que ça. Être assis comme Travis Scott il a fait pendant son concert sur une planète sur Fortnite Battle Royale. Ce serait vraiment une énorme qui déchire, on va pas se mentir. Ce serait une émote, une danse, prenez ça comme vous voulez, qui serait incroyable. Son prix serait de 800 V-Bucks, donc il serait quand même plutôt cool. Et en tout cas, j'attends vraiment de voir votre avis dans l'espace commentaire. Est-ce que vous trouvez ça cool? Est-ce que vous trouvez ça nul? Est-ce que si cette danse ou cette emote, vous prenez ça comme vous voulez, arrive sur le jeu, vous allez l'acheter ou non? Moi, j'achète direct, elle est magnifique. Pour l'instant, c'est qu'une rumeur, rien n'est sûr, vous le savez. Quand je vous dis quelque chose qui est officiel, je vous le dis d'avance. Là, ce n'est qu'une rumeur. En tout cas, on verra tout ça quand Travis Scott va revenir dans la boutique Fortnite. Est-ce que cette nouvelle emote arrivera? On verra tout ça, mais pour l'instant, vous le savez, ce n'est qu'une rumeur. La deuxième chose, est pas tout simplement, on va parler que le prochain lobby Battle Pass, donc le lobby avant que tu lances une partie, a peut-être fuité. Alors, ce serait pas le vrai lobby, mais plutôt quelque chose qui ressemble. On perd pas la piste tant que ça. Je vous le mets directement à l'écran, et encore une fois, on sait pas encore si c'est vrai. Vous savez, la chaîne est basée sur les théories, rumeurs et concepts. Et sérieusement, le lobby que je vous le montre là n'est pour l'instant pas encore confirmé encore une fois. Apparemment, il aurait peut-être fuité, mais on sait pas si c'est vraiment le vrai lobby. Bon, il manque juste les plaques de réapparition pour mettre ton personnage, mais apparemment, ça ressemblerait à ça. Du coup, dites-moi votre avis dans l'espace commentaire. Est-ce que vous trouvez ça énorme, ou est-ce que vous trouvez ça juste trop nul? On va pas se mentir, si pour l'instant c'est le vrai lobby, je dirais pas qu'il manque quelque chose, mais ça c'est vide. Pour l'instant, on sait pas encore si c'est vrai, si c'est le vrai lobby du prochain pass de combat. On verra tout ça quand ça arrive. Mais vous le savez, pour l'instant,
rien n'est sûr. Tout ça dans l'espace commentaire. Est-ce que vous aimez ou est-ce que vous aimez pas? Tout ça dans l'espace commentaire. La troisième chose les potes, on va parler de quelque chose que Fortnite aurait dû mettre depuis très longtemps, parce que cette fois-ci ce que je vais vous montrer est un concept. En gros tout simplement, qu'est-ce que de Fortnite devrait mettre sur leur jeu? C'est une boîte mystère. Bon là vous allez me dire on comprend pas trop etc, explique nous tout et c'est ce que je vais faire. Tout simplement cette boîte mystère coûterait 300 V-Bucks, donc du coup ce qui est pas donné, et tu aurais plusieurs récompenses aléatoires dans cette boîte mystère. Du coup, tu aurais de l'expérience, du coup de l'XP, tu aurais des petits camouflages gratuits, tu aurais des paliers de passes de combat en plus, tu aurais des skins mystères et plein d'autres choses. On perd pas plus tant que ça. Je vous le mets directement à l'écran et vous allez comprendre. En gros, tout simplement, il y aurait une boîte mystère dans la boutique Fortnite et tout simplement, elle coûterait 300 V-Bucks. Et tu aurais plusieurs chances d'avoir un truc nul, un truc bien, un truc même trop bien ou un truc trop rare. Tu pourrais avoir de l'XP, tu pourrais avoir un camouflage, tu pourrais avoir un skin mystère qu'on pourrait débloquer seulement dans ces boîtes mystères. Un peu comme des boîtes mystères dans Call of Duty ou plein d'autres choses comme ça. Tu pourrais avoir des camouflages, avoir des danses et plein d'autres choses dans cette boîte mystère. En tout cas, j'attends vraiment de voir votre avis dans l'espace commentaire. En tout cas, ce n'est qu'un concept, donc c'est quelque chose qui a été demandé à Fortnite. En tout cas, on verra si ça arrivera pour le jeu. Mais si vraiment Fortnite font ça, ils vont se faire quand même pas mal d'argent pour toutes les personnes qui collectionnent les skins, etc. Ça va leur rapporter très gros Fortnite. En tout cas, on verra si ça arrive. Mais pour l'instant, c'est un concept de ce que je vous montre là, la boîte mystère. Est-ce que vous aimez ou est-ce que vous aimez pas? Tout ça dans l'espace commentaire comme d'habitude. Et on part directement pour la quatrième chose avant qu'on passe au vrai sujet principal de cette vidéo. Là on va parler d'un planeur. Alors le planeur est un concept et ce planeur, pas mal de joueurs l'aiment et pas mal de joueurs demandent à Fortnite de le rajouter sur le jeu. Ce planeur coûterait 800 V-Bucks, donc du coup qui est quand même plutôt raisonnable, plutôt sympa. On perd pas plus de temps que ça. Je vous le mets directement à l'écran et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. En gros tout simplement ce planeur serait complètement brûlé. Bon oui je sais là le planeur est le planeur de base, mais tout simplement la surface serait complètement brûlée avec des flammes comme ça. Ce serait vraiment un planeur qui serait vraiment trop stylé. Imaginez-vous un planeur enflammé. Non sérieusement ce serait vraiment un gros planeur hyper stylé. Ce serait vraiment un planeur de tryhard et c'est ça qui est cool. Son prix serait de 800 V-Bucks comme je vous l'ai dit. Du coup vous le savez, quand je vous montre un concept qui fait le buzz sur Reddit, c'est qu'il y a vraiment des chances d'arriver sur le jeu. En tout cas vous me dites tout ça dans l'espace commentaire. Est-ce que vous trouvez ça cool tout simplement un planeur enflammé sur le jeu? Tout ça dans l'espace commentaire et on part directement pour le vrai sujet principal de cette vidéo. Et croyez-moi, il y en a qui vont être super contents. Bon, on part directement pour le sujet principal de cette vidéo. Et là, toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude d'acheter des choses dans Fortnite Battle Royale, vous allez être super contents. Tout simplement, Fortnite nous ont communiqué que le prochain pass de combat, ils ont investi plus de 500 000 $ pour la créer. Bon là, vous allez me dire, bon ok, ils ont mis de l'argent, ils ont mis 500 000 $. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Bah tout simplement, le pass de combat qu'on a actuellement, ils ont investi 100 000 $. Imaginez-vous, le pass de combat qu'on a actuellement avec l'événement Travis Scott, avec l'événement qu'il va avoir en fin de saison, ils ont mis 100 000 $. Le prochain, c'est 500 000. Du coup, on va avoir plein d'événements et plein d'autres choses. Ça veut dire que la prochaine saison sera 5 fois meilleure que la saison qu'on a actuellement. Du coup, les potes, une source très fiable sur Reddit a parlé et nous a dit pas mal de choses. Du coup c'est grâce à lui que tout simplement il a dit que Fortnite avait mis plus de 500 000 $ pour la prochaine saison, ce qui est énorme, que Fortnite avait mis beaucoup plus de récompenses pour toutes les personnes qui n'ont pas acheté le pass de combat. Voilà, il y a des personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter un pass de combat, ou il y a des personnes qui ne mettent pas d'argent dans le jeu tout court. Bah tout simplement Fortnite ont prévu 2 fois plus de récompenses gratuite dans le prochain pass de combat pour les personnes qui n'ont pas acheté le pass de combat que l'ancien, du coup le pass de combat qu'on a actuellement. Et ils auraient rajouté 200 V-Bucks de plus pour toutes les personnes qui n'ont pas acheté le pass de combat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement toutes les personnes qui n'achètent pas le pass de combat, normalement c'est 500 V-Bucks que vous avez terminé tout le pass de combat, là vous allez avoir 700 V-Bucks, du coup 200 V-Bucks de plus. Il a dit que tout simplement il allait avoir plus de 3 à 4 nouveaux événements sur le jeu. Donc ce qui est quand même pas mal. Donc ce qui est quand même énormissime. Pourquoi pas un nouveau concert? Pourquoi pas des événements ou un truc du genre comme le cube qu'il y avait autrefois? Mais en tout cas il nous a dit que dans le prochain pass de combat 2 à 3 nouveaux événements sur le jeu. Et ça c'est énorme. Il nous a dit aussi que tout simplement dans le prochain pass de combat, pour s'excuser d'avoir retardé le pass de combat plus de 1 mois et demi, ils allaient mettre dans le pass de combat beaucoup plus de défis pour débloquer des récompenses et de l'expérience. Donc des défis pour débloquer des camouflages, pour débloquer un planeur gratuit, pour débloquer pourquoi pas des fonds d'écran, etc. etc. pour toutes les personnes qui n'ont pas acheté le pass de combat. Et ça c'est énorme. Alors si vous le savez pas, à l'heure actuelle Fortnite ils ont dit qu'ils allaient écouter beaucoup plus la communauté pour le prochain pass de combat. Et qu'est-ce qu'ils veulent la communauté pour le prochain pass de combat? C'est des récompenses, des événements, des nouveaux modes,
des choses pour qu'on s'ennuie pas sur le jeu. Du coup, pour toutes les personnes qui n'achètent pas le prochain pass de combat, bah au final, vous serez vraiment gagnant avec toutes les choses qui vont arriver sur le jeu. Déjà de 1, il y aura déjà 2 fois plus de récompenses que dans l'ancien pass de combat, donc pourquoi pas s'attendre à un nouveau skin gratuit dans le prochain pass de combat. Voilà, ils ont quand même mis 500 000 $, pourquoi pas mettre un skin gratuit pour toutes les personnes qui n'ont pas acheté le pass de combat dans les paliers. Il va avoir 2 à 3 événements sur le jeu, ce qui est énormissime. Ils vont nous mettre pas mal de défis avec des partenariats, on va pouvoir débloquer des planeurs, des cadeaux, pourquoi pas des V-Bucks, pourquoi pas des planeurs, même des fonds d'écran sur le jeu, pas mal de nouveautés comme des nouvelles armes, des nouveaux modes de jeu. Tout ça pour tous les joueurs sur Fortnite Battle Royale. Et ça, c'est énorme. En tout cas, j'attends vraiment de voir votre avis dans l'espace commentaire. Dites-moi en même temps si vous allez acheter le nouveau pass de combat ou pas. On va pas se mentir, le prochain pass de combat, il va vraiment être énormissime. Pour ma part, je pense que ce sera le meilleur pass de combat. En tout cas, on verra tout ça. Mais pour toutes les personnes qui n'achètent pas le pass de combat, sérieusement, on va pas se mentir, la Fortnite vous a vraiment, mais vraiment gâté. On va pas se mentir. Limite, ils vont plus vous gâter que à ceux qui ont acheté le vrai pass de combat. En tout cas, vous êtes content ou vous êtes pas content? Tout ça dans l'espace commentaire. Voilà les potes, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. J'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas tous à vous abonner à la chaîne. Voilà, je suis une chaîne d'information Fortnite. Donc si tu ne veux rien louper, que ce soit des informations à l'avance sur le jeu et plein d'autres choses, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Surtout, n'oublie pas le petit pouce bleu et de mettre mon code créateur. Merci à toutes les personnes qui le font. En tous les cas, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde.